Boulogne, tunnel sous la Manche. Voici un monument commémoratif. Alors, si c'est limité à 90. Allez, on va passer, on va sortir. Faire le rond-point, voir si c'est là où j'ai vu le monument tout à l'heure. Exact, c'est là où il y a le monument. Souvenir du commandant Mangin, libérateur de Calais, tué à cet endroit le 30 septembre 1944. Souvenir du commandant Mangin, libérateur de Calais, tué à cet endroit le 30 septembre 1944. Allô ? Ah, allô ? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Je suis Maria du bureau d'études et des transitions. Oui, excusez-moi, je suis actuellement à... Je circule à moto actuellement, donc je ne vais pas avoir le temps de discuter. D'accord, donc à quelle heure vous êtes disponible? Je ne sais pas à quelle heure je serai rentré chez moi. D'accord, vers quelle heure? Je ne sais pas du tout, vers 20h je pense. Ah d'accord, mais vous êtes bien le propriétaire de la maison, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ah d'accord, c'est juste pour confirmer une chose tout simplement, monsieur, parce que l'État a renouvelé les aides pour les propriétaires d'une maison individuelle actuellement. Oui, vous m'excuserez, mais je vais rejoindre l'autoroute, là, je vais vraiment pas avoir le temps de bavarder. D'accord, à tout à l'heure. Alors. Oui, au revoir. Au revoir. Code du téléphone, c'est moins grave que celui de la carte bleue. Alors, de toute façon. Voilà. Entrée, c'est bon. Alors. Hop. Voilà. Alors, donc j'étais passé tout à l'heure, j'étais rentré sur l'autoroute ici.
j'avais aperçu cette stèle, j'ai profité de repasser pour voir à qui était dédié ce monument. Et bien maintenant on le sait. Allez. Et le pire, c'est que les bêtises humaines, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ça serait capable de déboucher en Troisième Guerre mondiale. Et en plus, avec le regain de tension entre Taïwan, alors là c'est un peu haut la bordure, mais tant pis. Ah ben, si je reste au point mort, ça va pas aller, ça c'est sûr. C'est mieux avec une vitesse engagée. En fait, c'est la même route que tout à l'heure, en sens inverse.